Bonjour, c'est Marc Vandamme de Homme Énergie. Je vous montre comment je fabrique de l'eau distillée dans une casserole de 10 litres de 24 cm de diamètre. Voilà, je mets un trépied à l'intérieur, le trépied du four à micro-ondes. J'ai mis à peu près 4 litres d'eau, de l'eau de source, ça c'est de très bonne qualité, qui n'a pas de gaz, parce que l'eau de pluie parfois ça sent une odeur, ou si c'est de l'eau de pluie très pure. Voilà, après j'ai un petit saladier qui rentre à l'intérieur, qui fait. D'ailleurs, il y a déjà un petit peu d'eau, je l'ai enlevé pour vous montrer. Je le mets à l'intérieur sur le trépied du four à micro-ondes, si vous trouvez un trépied. Et après, j'ai un saladier dans lequel j'ai mis de l'eau froide avec de la glace, et j'en ai d'autres au frigo. Alors, je vais le poser sur la marmite. Voilà, donc là, il se passe un phénomène, c'est que la vapeur d'eau se condense. Là, c'est en train de chauffer. Elle va se condenser sur le grand saladier qui est rempli de glace et ça va tomber dans le petit saladier. Et disons qu'au bout d'une heure, je peux arriver peut-être à faire un demi-litre ou un litre, ça dépend. Faut que je revoie les réglages peut-être de la chauffe. Et puis là, j'ai une casserole à côté pour mettre l'eau quand tous les glaçons sont fondus. Je mets l'eau qui commence à se réchauffer ici. Je remets de l'eau froide avec de la glace. Parce que l'eau froide, j'ai de l'eau froide de source, et un bidon d'eau de source. Voilà. L'eau très froide qui est à 10 degrés, déjà ça améliore. Parce que si je mettais de l'eau tiède, ça serait moins efficace. Donc voilà. Et puis là, donc ça fond au fur et à mesure. Là, je vais aller prendre un petit bain. Puis je vais revenir après, enlever quand il n'y aura plus de glace. Je vais enlever l'eau tiède. Je vais mettre ici dans la petite casserole à côté. Je vais remettre de l'eau fraîche avec de la glace que je vais chercher au frigo. Voilà, le frigo. Là, c'est la cuisine laboratoire, on peut dire. Vous voyez, il y a des pots partout. Il y a le blender pour faire du maïs, pour faire de la farine. Là, il y a un Big Bazaine. Donc là, vous voyez, c'est un peu parfois un peu le bazar, mais c'est un peu l'alchimiste moderne, quoi. Donc, vous voyez aussi, là, ici, j'ai plein de graines que je récupère pour faire germer après. Donc voilà un peu le contexte. Donc c'est la cuisine. C'est un peu l'endroit où je fais les expériences. Donc voilà, donc comme ça, si les gens qui m'achèteront de l'eau distillée ou sur les marchés, ils sauront comment on peut en fabriquer soi-même, d'une manière simple. On peut aussi faire par exemple de l'essence de lavande, faire du calva, distiller de lucide, ça peut marcher aussi, je vais essayer. Donc j'ai trouvé l'idée sur internet, puis je l'ai amélioré, quoi. J'ai trouvé le principe de base. Alors on a les masques à côté maintenant, on avait toujours les masques. Donc voilà, donc comme ça vous savez comment je fais. Donc à la prochaine vidéo.